Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une expansion de Bloodborne, The Board Game, The Forsaken, Cannerst Castle. Probablement que c'est pas la bonne prononciation, ce n'est pas grave. Donc, expansion pour le board game et non pas le card game qui existe déjà. Donc, on a les mêmes formats de boîte que ce qu'on a déjà vu avant avec le jeu de base et les autres expansions. Donc, c'est encore le même format. On devrait avoir sensiblement, je vais dire, le même contenu, c'est-à-dire probablement quelques tuiles, peut-être des jetons spéciaux. Normalement, non. Il va avoir probablement un carton pour avoir les figurines à l'intérieur. S'il y a des personnages supplémentaires, il va avoir les boards. Et en dessous de tout ça, il va avoir probablement des cartes supplémentaires. Donc, on regarde tout ça. Et effectivement, les tuiles, ce sont encore une fois des tuiles, je vais dire, spécifiques à ce scénario-là en tant que tel. On a encore certaines tuiles qui ont des effets dessus. Mais, somme toute, ce sont quand même de très, très, très belles tuiles. Et encore une fois, le carton est encore de bonne facture. Donc, on a ici un accès à aller sur le toit. Donc, on a une deuxième feuille de punch et une troisième feuille de punch avec un carton ici qui est un petit peu plus large que les autres. Donc, la salle du trône, donc, et on a le Queen Chamber dans la chambre de la reine ici sur le côté. Il n'y a pas trop de l'air d'avoir de lit, donc elle dort au sol. Mais bon, fait que ça ressemble un petit peu à ça. Et on a ici, donc ça c'était probablement rentré à moitié là-dedans. Donc c'est le tray directement, on n'a pas un autre enveloppe de carton comme on a vu dans les autres expansions. Du moins dans l'ordre dans lequel je les publie. Donc ça comme ça, on a un petit deck de cartes qui va probablement être pour les ennemis. On a un premier deck de cartes des summons, donc je ne sais pas si c'est nouveau. On a un deck d'introduction. Et on a, je vais dire et, mais non, Vile Blood Covenant et Executioner Covenant. Donc, je ne sais pas si, par exemple, ça, ces trois-là, ce sont des scénarios. Selon l'épaisseur, je me dirais que oui. Ça doit être un set de cartes autres. Donc, on va voir ça tout à l'heure. On a des cartes format tarot ici, qui est pour les ennemis et probablement les règlements, de ce que je comprends. On a des mini-cartes qui sont là, donc on va y aller en deux temps, c'est-à-dire je vais probablement y aller avec ces deux sets de cartes-là, puis on va regarder les figurines en détail, et on va revenir avec les dernières cartes pour terminer. Donc on va commencer par les micro-cartes pour que je puisse les remettre en place, évidemment bien sûr, encore une fois, le fabuleux plastique qui est impossible d'ouvrir, même avec la chaleur, donc j'ai absolument pas le choix de prendre ce fabuleux exacto de marque Mastercraft qui fait très très bien le travail, mais j'ai pas beaucoup de points d'appui possibles, donc sans tout briser, évidemment, le best c'est de pas passer non plus entre deux cartes pour pas couper l'une ou l'autre ou les deux des cartes en même temps. Donc ceci étant fait, nous avons, c'est sûr que c'était, si je me trompe pas, des activations des monstres ou des activations, ouais, les activations des monstres. Donc Analyse Queen of Vile Blood. Donc, on en a quelques-unes. On a Martyr Logarius. Nous avons Martyr Logarius Phase 2. Et nous avons ici ce qui semble être, j'allais dire, des consumables, mais il semblerait que non. Donc, on va y aller avec les cartes des ennemis, donc avec les Phase 2 et tout ça. Donc, Aerial Dive, Phantom Sword, Spinning Cleave, Side Slash, Rain of Skull, Skull Blast, Delayed Skull Blast, Humming Skulls, Siphon Blood, Bestial Drag, Mark of Corruption, Bodyguard et Bodyguard. Donc ceci étant fait, on peut les remettre ici. Les petites cartes qui restent, ce sont des objets comme ça. En fait, probablement, encore une fois, de scénario, parce qu'il n'y a absolument aucun texte dessus. Donc, on sait qu'on doit aller chercher, par exemple, cet objet-là quand il est mentionné dans les cartes. Et ils ont chacun un effet. Donc, on parle du Ring of Betrothal. On parle du Bloodstone Chunk. Tear. Blood Gem. Queenly Flesh. Cyril Rune Radiance. Cyril Rune Corruption. Executioner Glove. Et on a un consumable qui est le Cannerst Summon et probablement qu'on va chercher dans la pile de cartes Summon de ce deck-ci qui s'appelle Cannerst Summon. Donc probablement. Et les objets eux-mêmes, qu'est-ce que ça fait exactement pour ceux qui voudraient voir un peu le contenu? Donc tout simplement, je ne vais pas
Je vais juste les faire, les laisser là quelques secondes. Du moins, appuyer sur pause si vous voulez. Je sais que c'est avec le focus et tout ça, c'est pas facile. Mais je suis pas mal sûr que vous allez réussir si vous êtes patient. Donc, ceci étant fait, il nous reste le deck de cartes tarot qui inclut donc les ennemis là-dedans. Donc, Kane, Servant, Knight. Évidemment, ce sont les deux côtés avec des styles différents. Donc, on voit ici 7, je ne sais pas si c'est 7 de vie. En fait, c'est 1, 2, probablement 1, 2 joueurs et 3 et plus l'autre côté. On a par la suite le Blood Liquor, Starved. Donc, on a ça ici avec évidemment la même chose ou presque de l'autre côté. On a Vile Blood Knight. Donc, les deux côtés. Lost Child of Antiquity. Donc, évidemment, tu sais, le layout n'est pas mauvais, mais il n'y a vraiment pas tant d'artwork pareil sur les cartes. Donc, c'est assez tranquille. Kane Servant. Forsaken Castle Spirit. Un Bloodlicker, probablement pas comme l'autre. Et on se ramasse avec le Forsaken Castle Caner's Rules. Donc voici les tuiles pour les identifier. Et on a un Branching Campaign. Donc comment ça fonctionne. Et les bonus chapters qui sont donc dans cette série-là. Donc probablement que ça doit être effectivement trois scénarios. Mais je les trouve pas super épais quand même, les decks de cartes, contrairement à ce qu'on a eu dans les autres boîtes. Donc on va mettre ça là. On va regarder donc le premier. En fait, on a regardé les figurines. C'est là qu'on était rendu en fait. Est-ce qu'ils nous ont mis des collants tout le tour? Oui, merci Simone, pour être sûr que évidemment ça ne revole pas partout. Par contre, moi, pour la présentation, c'est peut-être un peu moins intéressant. Quand j'essaie d'ouvrir ça et que je ne suis pas capable de vous le montrer rapidement, je ne peux pas le faire préalable parce que je découvre en même temps que vous tout ce matériel. Donc le tray à cartes, juste pour information, il est inclus comme ça. Et il est rentré dans l'autre, donc l'autre a vraiment fait aussi de l'espace à l'intérieur de ce tray-là. Wow. Donc c'est vraiment le tray extérieur pourrait aussi être utilisé par le tray intérieur, presque. Donc on a la même chose ici. Donc, il ne semble pas avoir de personnages supplémentaires. Donc on a les nouveaux ennemis, genre de chauve-souris, monsieur. Donc ça comme ça. Nous avons, c'est les ennemis, les villes, les Bloodsuckers plutôt. Donc on voit qu'il y a quand même un petit visage à travers les cheveux, mais pas tant. Donc ce sont des belles figurines. Par la suite, on a ça ici, donc la madame avec l'épée. Donc qui est pointée directement comme ça. C'est sûr que de loin comme ça, on dirait que c'est un monsieur qui tient son objet dans un parc. Par la suite, on a cette figurine-là ici, avec le monsieur qui tient son... T'sais, on s'entend que ça n'a pas l'air trop violent, contrairement aux mobs qu'on a dans le jeu de base. On a par la suite les chevaliers, donc qu'on a vu tout à l'heure, donc sur les cartes. Et on a deux figurines, on va dire, uniques dans le lot, qui semblent être probablement, je veux dire, la Queen, qui n'a pas l'air d'être trop violent. Et de l'autre côté, on a genre de quasiment la mort avec un épée et... une faux, donc quand même encore une fois assez de détails, mais ça fait un peu brouillon, mais c'est pas si mal. Donc on a ça, donc ça c'était pour ces figurines là qui sont incluses donc dans cette petite expansion là. Donc la boîte est un petit peu, en fait c'est une petite boîte, en fait, pas vraiment, elle est un petit peu plus petit que la boîte de base, mais parce qu'il y a tout comme deux formats d'expansion. Il y a ce format-là et il va avoir ce format comme ça, comme vous voyez à peu près l'espace. Donc il va avoir deux types de boîtes. Donc celle-là est pareil comme le Calice Dungeon. Donc je continue avec les decks de cartes. Donc j'y vais avec le deck d'introduction. Donc j'essaie d'ouvrir tout ça. Donc merci d'avoir pris ce plastique cheap, mais assez résistant tout de même. Donc on peut pas avoir les deux. Donc, est-ce que le paquet d'introduction, c'est effectivement ça? Oui, il semble avoir 18 chapitres. Donc, on parle du scénario et du setup. Donc, c'est la même chose encore une fois donc que les autres types de missions du jeu de base. Donc, juste pour vous indiquer qu'on a ça sous ce format-là. Probablement que le Vile Blood Covenant est aussi un scénario donc inclus là-dedans avec un peu plus de cartes que l'introduction. Et c'est effectivement le cas, donc avec
ça ici. On a le chapter 3, chapter 2 setup, chapter 3 setup. Et on a le Queen Legacy jusqu'à 28. Donc, plutôt bizarre par contre d'avoir chapter 2 et chapter 3. Donc, on a deux chapitres à faire avec un seul et même deck. Ça, c'est plutôt particulier. Par la suite, on a le Executioner Covenant. Donc, ça, ça a l'air d'être le troisième deck. Là, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, t'es abominé dans le bon ordre, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je les sleeve. Donc, Executioner Covenant. Donc, on a la même chose ici, encore une fois, du texte là. Chapitre 2, chapitre 3. Donc, on fait l'introduction et après ça, on branch, de ce que je peux comprendre. Donc, chapitre 3. Et on a jusqu'à 31 pour celui-là. Et c'est encore une fois le même principe. Évidemment, je vais prendre la carte numéro 1. Mais c'est le même principe que les autres cartes. Donc, très, très peu de artwork dessus. Mais ça inclut des choix ou des situations à laquelle vous êtes rendu. On va regarder donc maintenant les Kenhurst Summon. Donc, est-ce que c'est un deck complet de ça? En fait, non. Il semblerait que ça ici, c'est un chapitre aussi. Donc, c'est un chapitre bonus. Donc, on a ça ici et ça va jusqu'à 15. Donc, très, très, très petit chapitre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessairement long. Mais donc, présentement, de ce que je comprends, on a l'introduction qui branche vers deux scénarios possibles qui ont deux chapitres. Et on a un chapitre bonus ici. Donc, ça fait quand même un bon paquet de matériel pour cette expansion-là avec un certain nombre de tuiles. On a les cartes qui restent. Donc, le canon, donc pour une certaine diversité dans les armes à distance pour les personnages. Donc, le Evelyn. Nous avons aussi les cartes des boss. Donc, Annalise, Queen of the Vile Blood. Donc, qui est la même chose des deux côtés. Et on a Martyr Logarius Phase 1. Et on a la phase 2 de l'autre côté. Donc, ceci étant fait, ça fait le tour, en fait, de notre déballage de cette expansion, donc, pour Bloodborne, de board game. Et c'était le Forsaken Kenhurst Castle. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.